Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sur YouTube. Ça fait tellement du bien d'être de retour. Et on commence bien l'année avec le retour des I Draw Your OC. J'ai eu beaucoup de propositions pour le retour de ce format et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours aussi présents. Malheureusement, je n'ai pu en choisir qu'un. Mais ce n'est que partie remise, parce que je pourrai toujours en retirer un le mois prochain. Ce personnage-là a été créé par Zicosia sur Twitter. Son design est vraiment superbe, sa couleur de peau, ses longues tresses, franchement, j'adore. Elle faisait partie de mes préférés en plus, donc je suis trop contente de pouvoir la dessiner. J'aime beaucoup ses taches de rousseur dorée et le fait qu'elle ressemble à une danseuse orientale aussi. Pour le dessin, je suis partie sur un buste pour ce mois-ci. J'ai voulu faire quelque chose de coloré et brillant, comme si elle était dans un océan de paillettes ou dans un rêve. Vous voyez comme dans les mangas quand un personnage danse et que tout brille autour de lui. J'adore ce genre de scène, ça me fait toujours rire parce qu'on dirait vraiment une vision un peu idéalisée de la personne ou alors que la danse elle est vraiment magique. Bref, à chaque fois je suis morte de rire. Je voulais également représenter son côté joyeux et qui est très présent sur l'image en plus. Bon, j'ai un peu galéré au début parce que je voulais faire quelque chose d'assez compliqué, une pose assez dynamique, etc. Mais au final, j'y suis pas arrivée. Mais je suis très vite tombée sur quelque chose qui me plaisait. Je voulais tellement lui faire honneur aussi que je me suis pas mal compliqué la tâche avant de me rappeler qu'il fallait que je m'amuse avant tout. Pour la technique, j'ai pris un pinceau aquarelle que j'adore et qui me permet de faire une colo rapide avec un bel effet dilué. Ça donne aussi un effet un peu rêve, etc. Donc ça tombe parfaitement dans l'intention que je voulais donner. Ce format me manquait pas mal et j'ai aussi beaucoup réfléchi avant de le reproposer. Je voulais faire quelque chose pour vous remercier et aussi pour vous offrir des petits cadeaux, mais qui ne me prendraient pas beaucoup de temps aussi parce que bah... j'ai ma vie, j'ai mon travail, et j'essaie aussi de pas trop vous oublier, ce que j'ai plutôt beaucoup fait ces derniers mois, je m'en excuse. Mais voilà, c'est une nouvelle année, j'ai pris de nouvelles résolutions, et je vais essayer de m'y tenir. Donc je me suis dit, allez, et puis si à un moment je n'ai plus le temps, je l'arrêterai, et tant pis. Je vais vraiment arrêter de mettre trop de pression, parce que c'est vraiment ce que je faisais ces derniers temps, et j'ai... perdu petit à petit le goût de dessiner et de m'amuser surtout en dessinant, donc vraiment j'essaye de reprendre ça. En plus l'école n'a pas beaucoup aidé, mais bon, c'est bon, je suis passée outre. Maintenant je m'amuse en dessinant, c'est plus important. Vous pouvez d'ores et déjà rejoindre mon Discord pour me proposer vos OC pour la prochaine édition avant que je fasse l'annonce officielle sur mes réseaux. Le lien est dans la bio, vous le trouverez assez facilement. Je vais tâcher d'être active au maximum, autant ici sur YouTube que sur mes autres réseaux. Et j'espère vraiment que mon travail vous plaira. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un prochain I Draw Your OC. En attendant, je live toutes les semaines sur Twitch. Le lien est dans la description, tout comme mon Discord et mes autres réseaux. Bye bye !